Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Captain Albator FR. Aujourd'hui, un petit peu de rétro gaming, un peu de nostalgie. Un jeu que j'ai connu sur borne d'arcade, je devais avoir une dizaine d'années, gros maximum 10, 11 ans, mais je crois même que j'ai déjà joué à Rally X, je devais avoir 9 ans. Donc ça commence à remonter, puisque j'en ai 49, voilà. Donc c'est vous dire si ça fait un bout de temps, une petite quarantaine d'années, et c'est un jeu qui m'a toujours plu en fait. Donc voilà, je vous propose de faire un petit retour en arrière, 40 ans depuis maintenant, et on va checker un petit peu si j'ai gardé un petit peu de, bah, un petit peu de game, hein, un petit peu de, on va voir ce que ça donne. Allez, allez, sélectionne, tac, tac, tac. Donc ce qui est pas mal, hein, c'est que dans cette version de New Rally X, bah, on retrouve évidemment ce format 4 tiers, hein, qu'ils ont gardé. Ce qui est pas plus mal finalement. Alors, voyons voir. Est-ce que là c'est la démo. Donc voilà, on start tout simplement. Et c'est parti. Donc si vous connaissez un peu le jeu. Le but est tout simple, vous devez récupérer tous les fanions sur le parcours sans vous faire percuter par les voitures adverses. Alors au début il n'y a qu'une seule voiture, puis très très rapidement ça se corse puisque plusieurs bolides sont à votre poursuite. Qu'est-ce que vous avez comme façon de vous débarrasser des véhicules? Et bien tout simplement ceci. Des espèces de volutes d'échappement, de gaz d'échappement qui bloquent les autres véhicules pendant un certain temps. Mais attention, quand vous utilisez cette technique, eh bien, il faut bien avoir à l'esprit que vous utilisez du carburant plus que de raison. Donc le but, si, bien sûr, si vous tombez en panne d'essence, c'est le game over. Donc le premier tableau plutôt simple, là on se voit maintenant affublé de deux adversaires. Alors, on va voir ce que ça donne. Il faut que je me concentre un petit peu parce que il faut pas croire, mais il y a du challenge quand même. Hein. Donc là ce que j'essaye moi, hein, c'est comme ça que je joue. J'essaye de récupérer les fanions simples. Et ensuite je prends ce qui me manque. C'est-à-dire l'ES, qui est le spécial. Qui est là et celui qui redonne un max de fuel. Donc là je prends quelques risques, hein, je vous cache pas. Alors on voit là que les deux véhicules restent bloqués là-haut, donc il doit y avoir un bug et ça n'est pas pour me déplaire parce que du coup ça me permet, voilà, donc là je fais des points avec le fuel qui restait. Pour l'instant, on finit sur un x2, ce qui est plutôt pas mal, avec une vie sup. Allez, allez, challenging stage. Donc là, dans ce stage bien particulier, vous devez récupérer tous les fanions avant la fin de votre fuel, sinon tous les véhicules démarrent et là, bah, c'est la guerre. Mais normalement, si je ne fais pas le foufou, ça devrait bien se passer. Donc voilà, nostalgie, nostalgie, hein, vraiment un jeu qui a bercé mon enfance et auquel j'ai, bah, avec lequel j'ai toujours gardé une affection particulière. Alors il y a plein d'autres jeux rétro gaming, hein, mais celui-ci particulièrement, ça me rappelle bah, des souvenirs d'enfance tout simplement, quand j'étais en vacances chez ma tante, en Corse, et où c'était assez libertaire quand même, c'est-à-dire que j'allais dans des cafés. C'était pas vraiment des cafés, c'était le snack du coin à côté de la plage et ils avaient Rally X. Entre autres, hein, ils avaient Galaga, ils avaient Pac-Man, ils avaient tous les jeux, bah, tous ces classiques, hein, que ce soit de Namco, de Konami. Et voilà, et je ne m'en lasse pas, et donc je voulais vous faire partager un petit peu cette passion, hein, du rétro gaming, mais vraiment très très rétro. On parle plus de la console 8 bits, on parle du rétro arcade pur, hein, bien entendu. Alors là, je crois que j'ai jamais dépassé ce niveau-là. C'est-à-dire que là, je suis au niveau 3.
faut faire attention, il va attaquer. Hop, j'ai fait un demi-tour. Alors là, je ne vous cache pas que je j'utilise le la croix directionnelle, hein, bien sûr. Pas le stick analogique. Qui ne serait pas du tout approprié à mon avis. Qui risque de faire de mauvaises manœuvres. Bon, bah, écoutez, on l'a faite. Est-ce que je vais battre mon high score de 64 880 points? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Attention, ça va se corser, hein. C'est-à-dire que là, ça accélère un petit peu et il y a de plus en plus de véhicules. Et même si l'intelligence artificielle n'en était qu'à ses balbutiements, je peux vous assurer qu'il rigole pas. Hein. Il y a évidemment des patterns comme dans Pac-Man. Ah, voilà, et là ils sont rentrés dedans, c'est super, c'est génial. Aïe, voilà, première fausse manip. Allez, on ne se laisse pas abattre, on suit bien le plan et on s'en sort. Allez, 1, 2. On va aller récupérer le S. Celui-ci. Vous voyez un peu la vitesse où il roule là? C'est plus du tout comme les premières. Oh purée, il y a eu un. Bon bah voilà. Est-ce que je vais réussir à faire 64 000? Ça n'est pas certain, messieurs dames. Parce qu'ils font. Ouh là là. Ils sont méchants. Alors, 51 000, peut-être 52 000. Allez, 52 000. Qui dit mieux? C'est parti. Attention, ça peut vite sentir le pâté. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le radar qui est à notre disposition. Ah! Et qui permet de. Qui permet rien du tout, ils sont en train de me faire bouffer tout mon fuel. Hein. Aïe! Eh bah purée. Et non, et vous voyez, hein, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, hein, c'est ce que disait ma grand-mère. Allez, 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 monte. On va essayer de leur mettre une pige. Allez, c'est bon, j'ai celui-ci. J'essaye de mettre le plus de distance entre eux et moi. Ah, c'est l'horreur. Et voilà, je n'aurais pas atteint les 64 000 points. Voilà, c'était une petite présentation d'un jeu nostalgie. Voilà, c'est mon petit moment nostalgie à moi. Je voulais vous faire partager ça. Je le ferai sur d'autres jeux si ça vous intéresse. Bien sûr, des jeux d'arcade, hein, style Dragon's Lair, Galaga, Galaxian, et j'en passe, et bien d'autres. Voilà, si ce format vous plaît, soit c'est des petites vidéos de une petite dizaine de minutes maximum. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas, j'en referai avec plaisir. Donc faites-vous plaisir, le petit pouce bleu si ça vous a plu, l'abonnement si vous ne l'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'avoir suivi ce petit live. Voilà, allez, salut!